Voyez, vous qui écoutez ce message semant la foi, si vous voulez, chaque fois que je poste une chose, vous recevez un message. Vous pouvez vous inscrire et cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications et mettre un pouce bleu parce que vous allez devenir une personne privilégiée. Que Dieu vous bénisse. Mes chers amis, nous allons voir ici dans la parole de Dieu, c'est dans Jean chapitre 2, le verset numéro 15. Alors Jésus donc est entré dans le temple, hein, dit dans le 14 ici, il y a trouvé des personnes qui vendaient des bœufs et des moutons, et j'ai parlé de cela hier, et des colombes et des changeurs. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il fit un fouet de cordes. Donc vous voyez, un fouet donc fait de cordes. Et les chassa tous hors du temple avec les moutons et les bovins. Il dispersa la monnaie des changeurs, renversa les tables. Donc vous voyez, Jésus a été, il s'est énervé comme ça à cause de ce qu'ils étaient en train de faire. Qu'est-ce qui existe dans mon temple qui met le Seigneur en colère, hein? On va lui demander de faire un nettoyage, utiliser le fouet spirituel de feu pour ôter alors tout changeur, hein, tous ceux qui déforment, oui, la volonté de Dieu, qui corrompent pour que nous puissions alors être une bénédiction. Dieu veut faire de vous une personne bénie. Regardons à présent le témoignage de cette personne qui était bénie. Ça fait 6 ans que je prends des médicaments parce que je ne pouvais pas marcher. À chaque 10 mètres, il faut que je me repose. Comment vous marchiez avant la prière? Montrez-nous comment vous marchiez. Très honnêtement, comme un petit vieux. Montrez-nous alors comment vous marchiez avant. Voilà, comme ça. Que c'est comme ça. À présent, marchez à grands pas. Voilà. Eh oui, vous pouvez courir, il n'y a plus de problème, vous êtes guéri. À présent, je veux prier avec vous. Mon Père, au nom de Jésus, je prie pour que ces personnes qui sont ici avec moi en train de prier et qui ont besoin d'une guérison, alors d'une libération, et qui sont opprimées par un esprit de tentation de n'importe quel genre, hein, Père, utilise alors le fouet de feu à présent et fais donc fuir alors tout ce mal. Sors maladie, oui, sors toute douleur, sors tout problème, tentation. Au nom de Jésus. Amen.